Je voudrais que cette séance soit une séance d'échange en toute franchise. Trois mois après le premier trimestre de l'année 2019, cadres et différents responsables du ministère de l'Eau et des Mines évaluent les performances réalisées. Ce que je puis vous annoncer, c'est que sur un budget de plus de 60 milliards, nous avons pu engager plus de 22 milliards et ordonnancer 18 milliards. Le taux physique est estimé à 40% contre 14% au premier trimestre de l'année 2019. Sur la base des engagements, nous avons atteint un taux de 37% contre 19,5% au 31 mars 2019, soit une amélioration de 17,5 points pour une cible de 30,5 points. Sur la base des ordonnancements, nous avons réalisé un taux de 30% contre 19% au 31 mars 2019, soit une amélioration de 11 points pour une cible de 31 points. Malgré ces performances réalisées, le taux de mise en œuvre du programme d'investissement public PIP reste faible. Ce rendez-vous trimestriel de reddition de comptes du ministère de l'Eau et des Mines vise un seul objectif, satisfaire le besoin en eau des populations pour que d'ici 2030, elles toutes aient un accès universel et équitable à ce liquide vital. C'est d'ailleurs un des objectifs des ODD.